Eh bon. Je dois être 3h30 ce matin maintenant, là. J'étire ma marche. J'essaie de prendre de l'air. Parce qu'on nous a toujours dit, depuis ma tendre enfance, que d'aller jouer dehors et respirer la bonne air, c'était excellent pour la santé. Ça l'oxygène nos poumons. C'est fantastique, ça fait bouger notre corps. Mais ça, on nous enlève ces droits-là. Là, man, là, t'es 2-3 petites gouttes à la fois, là, je t'amène. Fait que, on va raccourcir ta liste, tu vas marcher pas mal à côté. Bon. Donc, la personne répond à vos appels, courriels, les heures, samedi, dimanche, lundi, temps. 7h30, parce qu'il n'y a plus fonctionne rien après 8h. On devient une prison communautaire. Ouais, moi, je suis désemparé de ça. Je l'ai déjà dit, puis je le redis. Ça va faire son temps, ça. À un moment donné, le monde va se casser de se faire tirer dessus puis de crever parce que là, ils n'ont assez, là. Ils vont sortir puis ils vont dire, là, tabarnak, là. Il y a plein de monde, c'est fucking voyage. Ben, ils n'auront même plus besoin de sortir, ils vont être dehors. Ils vont être dans la rue, cassés. Moi, je fais juste regarder ce que j'ai, là. J'ai pour à peu près 10 000 pièces d'outils. OK? Si j'ai pas de travail, là, puis je me retrouve à la rue, là, je peux pas ramener tous ces outils-là avec moi. Si je me retrouve à la rue, je vais partir avec mon truck, mais pendant combien de temps je vais pouvoir payer ce truck-là? Parce qu'il est à peine mal, là. Hein? On s'entend que... On est peut-être des... On est peut-être des astis de manger de marge qui travaillent au Parlement, qui sont capables de soit se payer des chauffeurs ou des Tesla, ou des chars à 100 000 piastres. Hein? Non, nous autres, on paye, on... C'est à crédit. Je connais personne qui achète un char de 60 000 piastres cash, moi. Fait que je suis obligé de le payer. À petit coup. À petit coup, à petit coup, à petit coup. Mais on sait, quand on a un emprunt comme ça, qui est établi sur 5,5, on sait ce que ça nous coûte. Tandis que, en tant que Québécois ou Canadien, on paye des taxes cette année. Je ne sais pas si vous allez en payer moins l'année prochaine. Il y a de fortes chances que vous en payerez plus. On décide sans préavis qu'on vous surcharge de toutes sortes. Des frais, de ci et de ça. En parlant de frais, je regardais ma facture Vidéotron l'autre jour, mais c'était écrit « Autres frais ». Autres refrais. Mais ça, c'est la description des frais qu'on m'a chargé. Autres refrais. C'est pas la première fois, là. Souvent, là. Oh, oh! Non, c'est pas une police. C'est un camion, là. T'es bien mieux de t'en aller travailler et d'avoir un petit papier qui te donne le droit. Parce que t'as promené, t'as pas le droit. Ouais, fait que... Nos taxes, nous autres, hein? PCU, là, pensez-vous que ça va... Ils viennent de montrer, là, comment est-ce que ça va coûter cher de rembourser ça. Puis là, il nous demande de rembourser ça à 27, presque 28% d'intérêt. C'est fucking ridicule. Ils ont débloqué cet argent-là. Puis ils disaient qu'on était dans des grosses dettes. Puis là, j'entends tellement d'affaires, j'ai le cerveau tellement bourré d'informations que j'ai entendu hier... nouvelles ou sur YouTube, les recherches Internet que je fais, que le Canada est prêt à investir au-delà de 100 milliards, 100 millions, 100 millions, 100 millions, c'est ça, dans quelque chose que je me souviens plus quoi. OK, fait que leur enlève l'argent. OK, si t'es prêt à investir 100 fucking calices de millions, okay? Mais là, tu viens nous rechercher, là, avec le site PCU, là. Dans les années passées, loin passées, pas si loin que ça, on nous a volé dans la caisse de retraite, puis on nous a volé dans la caisse du chômage. 30 millions, je pense.
qu'ils ont pris. Puis ils savent pas où ce qu'elle est. Ils l'ont jamais su. Mais non. C'est ça au gouvernement, tu peux dire. Oh, je sais pas. Oh, je sais pas. Ouais. Puis toi, dis ça, toi. Dis ça une fois, toi. Ah. Non, je... Hein? J'ai pas pris l'argent de la caisse. Pas pantoute. Mais non. Ah, tu es perdu. Juste demain. Ah, OK. Ben oui. Je vais être poursuivi. Viens dans mon chien, on revient d'abord. On revient d'abord, si je suis obligé de m'ostiner. Toi, tabarnak! Non, je sens que... mon agressivité... monter d'un cran, coudonc. Puis là, 20 ans passés, j'étais une personne très agressive. J'ai appris avec le temps, et avec une petite punition ici et là, que je vais me calmer un peu, t'sais. Mais là, je suis pas trop motivé à me calmer, là. Je suis pas mal plus craqué. Impatient. Je suis intolérant, là. Je t'en ai, là. On est des petits crises de pantin. Des hosties fucking esclaves de marde. Payez, 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 calice, hosties. Faites juste payer. On vous donnera pas un meilleur salaire. Parce que c'est important pour nous autres de vous tenir sous le seuil de la pauvreté. C'est important pour nous autres de faire en sorte que vous n'avez pas une couple de mois de moyens, de réserve, que ce soit monétaire ou de la nourriture. Hein? Non. C'est impossible si quelqu'un est capable de se mettre 10 000 piastres par année. Hey! 10 000 piastres par année! 10 000 par année! 1000 piastres par mois, hein? Disons 12 000 par année. Hein, ça serait-tu plaisant que quelqu'un se dise dans sa vie, dans 5 ans, j'ai 50 000. Ouais. La seule manière que vous pouvez faire ça, c'est de travailler au noir, comprenez-vous? Ou d'avoir une compagnie, puis d'avoir un autre crosseur de chiffres qui va travailler sur votre bord, mais qui va vous changer quand même un bon montant. Fait que tu vas payer un professionnel comptable pour jouer avec les chiffres, pour crosser le gouvernement, pour pouvoir moins payer de taxes. Parce qu'on s'entend, il faut le faire. Moi, personnellement, honnêtement, je me mets deux mains, mes deux pieds, mon cul dans le feu, si c'est pas vrai, j'ai jamais fait de jouer avec les chiffres. C'est mon rapport d'impôt. J'ai toujours payé mes fucking taxes. Ben là, pas cette année. Puis l'année prochaine, ben, le prochain qu'on va avoir, là, va être probablement rendu à 6000 pièces d'impôt, je le dois. Fantastique, hein? Fantastique. C'est comme Chris. On peut pas demander mieux que ça. Fait que je n'ai pas de PCRE. Mais là, rapproche-toi. Je n'ai pas eu de PCU. J'ai retiré du chômage pendant ce temps-là parce que j'ai travaillé, moi. J'ai travaillé, j'ai payé mes teintes de chômage, mes cotisations de chômage ont été payées. Fait que j'ai juste retiré ce que j'ai. Ce à quoi j'avais droit. Puis, j'ai pas fait la demande de PCRU. Après de voir ça, là, comment est-ce qu'on va devoir, là, ça me tente pas de leur devoir 10 000 piastres. Ils ne viennent pas nous dire qu'ils ne font pas d'argent sur nous autres, câlisse. Parce que là, c'est des 1000 piastres à 6000 piastres d'amende dans les rues si tu te fais pogner à marcher. Après 8 heures le soir jusqu'à 5 heures du matin. Yeah! Fait qu'on calcule ça, là. Disons, une police. Une par jour. On va mettre ça au minimum, 1000 piastres. OK? 5000 piastres par semaine à attraper une personne. Pas trop. J'ai entendu qu'ils vont se forcer un petit peu, hein? Fait que cet argent-là, elle retombe vite dans les coffres.
Fait que 1000$, 1000$, 1000$. Proposition à faire, moi. Au lieu de 1000$ à 6000$, vous nous écorchiez avec un 2000$ par mois, là, avec la PCU. Bon, on va faire 2000$ divisé sur 30 jours, ça fait 2$. Fait que si vous m'arrêtez dans une journée, c'est 2$ que je vais vous donner. Si me remettre l'autre, si on me arrêtera la prochaine journée, c'est un autre 2$ que je vais me donner. Ben, j'ai juste 2000 à te donner. J'ai juste 2000 que je reçois. Mon loyer, mon droit, mes assurances, mon téléphone, l'essence, la nourriture. Pensez-vous sérieusement que je peux me payer le luxe, moi? Hein? Quand je travaillais, j'arrivais. J'étais pas millionnaire, j'étais pas riche, puis loin de là. Très fucking loin de là. Mais je subvenais à mes besoins. Je payais les choses à payer. Là, oubliez ça. La grosse crise de machine nous passe dessus. T'sais, la crise de machine nous passe dessus. Toute la gang. Moi, je crois pas à ça quand le monde va rester tranquille bien longtemps. Parce que la patience a une nostie de limite. Hein? Il reste comme fucking temps, une autre 3 semaines à ça. Puis c'est pas dit qu'ils vont rouvrir toute la petite patente après. Puis l'ouvrage. L'ouvrage. Faut trouver de l'ouvrage. Faut se trouver un moyen de survenir à nos besoins, à vivre. Puis là, c'est plus vivre, c'est juste survivre, là. On cherche un moyen de survivre, là. On sait que ça va mal, puis on sait que ça s'en va de plus en plus mal. Bien maintenant, le gouvernement fait sa job merveilleusement bien pour que ça aille mal. Claire, là, c'est... Parce que je suis vraiment décalissé, man. J'aimerais mieux être à la guerre, dans l'armée, vous jure, c'est-tu.